Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai promis hier, aujourd'hui on va réaliser un turban pour les filles ou bien pour les grands. Sans plus tarder, on va passer au matériel nécessaire pour la réalisation de ce projet. Donc, comme début, on aurait besoin d'un morceau, d'une deux pièces de tissu extensible. Tissu vraiment qui va être extensible parce que c'est le tissu idéal pour la fabrication, la réalisation des turbans. Il est flexible, on peut l'étirer. Si on fait des erreurs sur les mesures, on va pas s'en faire parce que ça nous va quand même. On peut juste l'étirer. Donc la deuxième des choses est que j'ai choisi ce tissu parce que lorsque je le coupe, il n'y a pas des fils qui sortent ici comme le tissu coton. Donc, il va pas avoir des problèmes de fil et de la couture. Et franchement aussi, j'ai essayé de faire un avec le tissu coton, mais j'ai pas eu le même résultat. Donc, je vous conseille de choisir le tissu vraiment extensible. On aurait besoin aussi des épingles, des ciseaux pour couper. Et bien sûr, un fil et une aiguille. Si vous n'avez pas de machine à coudre ou bien une machine à coudre. Donc, sans plus tarder, on va passer comment prendre les mesures de la tête. Vous allez suivre exactement la même façon que je viens de montrer. Et le résultat pour ma fille, le tour de la tête de ma fille, c'était 54 cm. Et je veux faire un pour moi, j'ai trouvé 56 cm. Donc c'est une différence de 2 cm. Alors, pour savoir la longueur de ma pièce de tissu, je vais prendre le tour de la tête plus 15 cm si vous voulez réaliser une pour les filles, pour les petites filles. Ou bien le tour de la tête plus 20 cm pour les adultes. OK? J'ajouterai un 15 cm pour les petites filles ou pour les ados et 20 cm pour les adultes. Donc pour moi, 56 plus 20, ça va me donner 76. Donc je prends une autre feuille. Je vais dessiner un rectangle qui fait 76 cm, notre tour de tête plus 20 cm pour moi, ou bien 54 plus 15 pour ma fille, ça va faire 67. Donc plus, et la largeur c'est de 15 cm. Vous pouvez jouer sur la largeur si vous voulez pas qu'il soit large, vous pouvez utiliser 10 cm, 8 cm, 5 cm. C'est juste vous n'allez pas avoir le même épaisseur et la même largeur au final. Donc, vous pouvez le faire. Comme moi, j'ai utilisé un autre pour qui fait, je crois, c'est 5 cm. Puis, ma fille, elle a utilisé comme bracelet. Donc, vous allez prendre votre tissu. Vous allez couper deux pièces qui fait, pour moi, c'est 76 cm de long et 15 cm de largeur. Okay? J'ai besoin de deux pièces. Je prends ma pièce, je vais la plier sur la largeur en deux. Je vais avoir ici un 7,5 cm. Ici, ça va garder la même longueur qui est de 76. Donc, je vais aller coudre à 1 cm des bords tout au long. Je ne vais pas coudre les extrémités parce que je vais tourner après mon tissu. D'accord? Je vais faire ça sur mes deux pièces. Et je reviens. J'ai terminé la couture. Vous allez voir que c'est pas le même tissu que je vous ai montré au début. C'est juste parce qu'il y avait un problème de tournage. Donc, j'ai pris un autre type de tissu. Donc, pour moi, voilà. J'ai choisi deux couleurs. Vous pouvez choisir une seule couleur. C'est juste moi, je vais faire la tresse. Et j'ai préféré vous montrer avec deux couleurs. Donc, voilà. Quand j'ai terminé, je vais juste prendre et le tourner. Le tissu ici, il est expansible, ce qui fait
Je vais pas avoir de problème pour le tourner. Et voilà. La deuxième aussi, je l'ai tournée. Ce que je vais faire, je vais voir l'endroit là où il y a de la couture ici. Je veux pas qu'il soit aux extrémités comme ça. Je veux juste le tourner pour l'avoir au centre. De cette manière. Et je le tourne. La couture pour cette pièce, la première pièce, elle va toucher la table, la surface de la table. D'accord? Et je prends la même pièce, je la plie sur deux. Je vais juste enlever on va voir que une c'est la face que je vois et la deuxième moitié c'est là où il y a la couture ici. Donc je vais essayer de former le signe de l'infini avec ça. D'accord? Puis je prends l'extrémité fermée ici, je vais former un 8 dans cet endroit. Je vais juste le tourner vers moi. Je le prends, je le tourne et voilà mon 8, il est formé. Je prends la deuxième pièce, je fais la même chose. Donc la couture elle est au centre. Je vais chercher le centre de ma deuxième pièce avec et je vais la marquer avec une épingle. C'est ça la moitié. Voilà. Je vais pas coudre, j'ai besoin juste de me repérer, de me servir de l'épingle pour faire les repères. Donc le centre, le milieu de cette pièce, je vais essayer de le coïncider avec le V qui est là. De cette manière. Voilà. Donc, maintenant, le côté qui est là, je vais le faire passer en bas de cette extrémité du jaune. Vous voyez, l'aiguille, il faut qu'elle soit au centre. D'accord? Et celui-là, il va rester en haut de la pièce jaune. D'accord? Donc, je vais mettre cette pièce comme ça sur le premier cercle de 8 et je prends la deuxième extrémité, je vais la faire passer en bas du tissu jaune puis en haut de mon tissu noir puis en bas du jaune. Vous voyez? Donc, la même chose, le tissu qui est là, je vais le mettre sur le deuxième 0 de 8, cercle de 8, de cette manière. Je prends l'autre extrémité, je vais la faire passer en bas. Voilà. En haut. Et en bas. Ma tresse n'est pas bien formée, donc je vais enlever l'épingle ici de mon repère. Je n'ai qu'à essayer d'étirer jusqu'à ce que la tresse prend sa forme. Avoir à la fin les mêmes longueurs des extrémités. La même longueur que je laisse ici sera la même ici, sera la même ici, sera la même ici. J'ai trouvé la forme de ma tresse. Je vais juste faire quelques ajustements. Voilà. Donc, je vais séparer les extrémités. Je veux voir ces deux qui sont à côté de moi, la couture sur la table. D'accord? Je veux voir la belle face. Et celles du haut, qui sont là, c'est la couture en haut. D'accord? Celle du bas, la couture vers le bas. Et celle du haut, la couture vers le haut.
Donc, pourquoi j'ai fait cette organisation? Juste parce que je veux voir au final un résultat de couture professionnelle. Je veux cacher toutes mes imperfections avec cette méthode. Je vous conseillerais de l'utiliser. Donc, je prends maintenant le noir, je le mets sur le noir, avec le noir. Couture ensemble, je prends un épingle, je descends un peu plus en bas et je vais épingler. D'accord? Donc, je mets aussi la partie, le tissu jaune sur le tissu jaune. Les coutures se coïncident de la même façon ici. Donc, mais je ne vais pas épingler. Je vais prendre maintenant la couleur noire. Je vais la superposer avec la couleur jaune pour avoir quatre couches de tissu. Deux noirs, une, deux et deux jaunes. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais épingler les deux pièces du centre ensemble. D'accord? Je prends une épingle, je vais les épingler ensemble. Voilà. Je retourne la première ici. Il me reste celle-là qui n'est pas épinglée, la dernière, le jaune. Ce que je vais faire, je vais le ramener de mon côté pour le superposer, avec la noire. D'accord? Je vais épingler ces deux pièces-là. Donc, final, j'ai jaune, noir, noir, jaune. Je vais prendre ma machine à coudre et je vais aller coudre ces deux pièces ensemble. La première, le noir avec le jaune avec le noir. Et je reviens. Les pièces maintenant, elles sont prêtes. Je n'ai qu'à enlever les épingles. Je vais prendre mes ciseaux et je vais couper les extrémités de cette manière. Je vais donc couper un peu ici. Et couper un peu de mon tissu sans toucher à la couture, bien sûr. Que j'ai terminé de couper les tissus, je n'ai qu'à retourner la pièce jaune à sa place, cette façon, donc, comme ça, et je vais essayer de coïncider les coutures encore une fois pour avoir plus de finition. Je prends mon épingle, je vais coïncider avec mon épingle, ok, pour qu'il soit exactement sur la même ligne. La même chose du bas aussi, je prends un épingle et je vais coïncider. Puis, je vais aller à la machine à coudre ou si vous n'avez pas de machine, vous pouvez le faire à la main manuellement. Donc, je vais aller suivre exactement la même ligne ici. Ok? Si vous voulez plus de finition, vous pouvez faire une couture de chaque côté à un quart de centimètre d'ici. Alors, c'est vraiment, il faut qu'elle soit vraiment petite, juste comme ça, et une autre comme ça. Ma couture est faite, mon turban aussi, il est terminé. Donc, comme vous le voyez, j'ai suivi exactement la ligne ici, on ne le verra pas de l'extérieur. C'est juste à l'intérieur, je n'ai pas fait attention, je n'avais pas assez de temps. Donc, vous n'avez qu'à le tourner maintenant, de cette façon, et le turban est prêt à être sur vos têtes. Donc, si vous avez aimé,
et que les instructions sont claires, je vous invite à aimer la vidéo et à laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à cliquer sur le bouton abonné. Comme ça, vous allez recevoir, désolé, toutes les prochaines vidéos, les nouvelles vidéos. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.